Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité de ce journal. Première visite officielle en Haute-Savoie pour Antoine Armand. S'éloignant des polémiques parisiennes dans lesquelles il est embourbé depuis quelques jours, le nouveau ministre de l'Économie et des Finances était de passage au siège social d'une entreprise, emblème de l'industrie locale. Notre partenaire 8 Mont-Blanc a suivi l'ancien député savoyard pour son grand retour à domicile. En Martinique, le mouvement des jeunes agriculteurs se positionne contre la vie chère et l'augmentation des coûts de production et de carburant qui explosent chaque année et mettent en danger la pérennité de leur activité. Nous suivrons ces travailleurs martiniquais et écouterons leurs revendications avec notre coéquipier de Via ATV sur place. Les viticulteurs tirent de nouveau la sonnette d'alarme. Alors que les vendanges débutent, les conséquences du dérèglement climatique et de la crise économique jouent les troubles faits dans les vignobles et inquiètent les spécialistes. Nous irons en Gironde avec un reportage de notre partenaire TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Et puis dans ce journal également, la Sarthe célèbre la pomme de terre. Le tubercule est mis à l'honneur pour la 6e année consécutive et nos confrères de LMTV Sarthe ont pu réaliser un reportage à la fête de la patate où les techniques d'extraction traditionnelles répondent aux enjeux environnementaux actuels. Et puis nous débutons ce journal donc avec la venue du nouveau ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie à Argonnais, près d'Annecy, en Haute-Savoie. Antoine Armand, c'est son nom, a réservé sa première visite officielle ministérielle dans son département. L'ancien député savoyard était accompagné de deux autres membres du gouvernement et il s'est rendu vendredi dernier au siège social d'une entreprise là-bas où il a pu échanger avec le personnel et la direction. Retour sur cette matinée avec Sébastien Germain pour notre partenaire 8 Mont-Blanc. Regardez. Retrouvailles chaleureuses pour Antoine Armand et ses futurs ex-collègues députés de Haute-Savoie, englués dans une polémique politicienne à Paris. Le ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie a tenu parole pour son premier déplacement officiel sur le terrain. Accompagné de Marc Ferracci et Marie-Agnès Poussier-Winsbach, deux autres membres du gouvernement, il s'est rendu chez un des fleurons de l'industrie locale, l'entreprise familiale Maped à Argonnais. À l'heure d'une envie de sinistrose, à l'heure où on a plus envie de regarder ce qui ne marche pas plutôt que ce qui marche, c'est de voir les visages des salariés de Maped, les visages des dirigeants de Maped qui font fonctionner en famille l'entreprise avec un enthousiasme résolu, celui de réussir la transition écologique. Et puis un dernier point, vous le savez, qui me tient particulièrement à cœur, c'est la question des salaires et comment nous pouvons participer à améliorer les salaires, à avoir des salaires décents qui permettent à chacune, à chacun de vivre. Nous avons aussi dans cette usine, dans ce site, sur ce site, une belle illustration d'une politique salariale volontariste. La question des salaires est bien évidemment présente sur le site d'Argonnais, où Maped emploie plus de 220 personnes. Avec des unités de production situées également en Chine ou encore au Mexique, le fabricant, entre autres, d'articles de papeterie, espère pouvoir rapatrier une partie de son activité industrielle en France dans les années à venir. Cela passera par un accompagnement plus poussé de l'État. Nous continuerons, nous, à plaider sur cette idée sur laquelle nous pouvons rapatrier. Nous pouvons accepter, de, même pour un certain temps, de ne pas gagner d'argent sur ce que nous rapatrions industriellement pour faire vivre nos écosystèmes, nos territoires, nos employés, nos salariés. Mais ça ne peut pas durer à long terme, parce qu'à long terme, une entreprise privée comme la nôtre peut être mise en difficulté. On demande aux entreprises aujourd'hui d'être économiquement viables, mais également de transformer leur modèle. Nous sommes d'accord, mais à notre petite échelle, nous ne pouvons pas le faire seuls. Et puis l'occitan est-il en proie de devenir une langue morte à l'école? Si les Bretons, les Basques ou encore les Alsaciens assurent l'enseignement de leur langue régionale, la situation n'est pas la même pour les Occitans du Limousin. En Creuse, les initiatives prises localement pour inciter à transmettre l'occitan sont peu développées. Dans la région, rares sont les établissements qui assurent l'avenir de cette langue, ce malgré la signature d'une charte avec l'éducation nationale et la région Nouvelle-Aquitaine. Reportage de Seth Limoges sur place. Le soufflet est comme retombé chez les occitanistes depuis la signature il y a 7 ans d'une convention entre la région et l'académie pour soutenir l'enseignement de l'occitan dans le public, à l'école, au collège et au lycée. C'est un peu désormais électroencéphalogramme plat. Nous, on n'en a pas la main là-dessus. Hein. Il s'est, à vrai dire, je pense, rien passé. Tout le monde se gargarise que c'est formidable. Il y a eu une formation où on a formation enseignante qu'on a en partie assurée avec Novellum de Dordogne, qui a concerné deux enseignants. C'est une gabegie financière pour le,
un retour avec 3 heures pour l'un et l'autre 1 heure de club par semaine. C'est ridicule. Au bas mot, cette formation aura mobilisé 100 000 euros d'argent public. Non seulement c'est pas une progression, mais c'est, excusez mon expression, du foutage de gueule. Ce sont des gens qui ont fait des stages en classe, qui se sont préparés toute l'année pour enseigner. Et quand il s'agit de les accompagner dans la mise en place réelle, ben là, on n'a rien fait. Et je peux vous dire que le dernier mois, mai, juin, l'année dernière, on a poussé les portes pour essayer de faire avancer les choses. Mais quand l'éducation nationale fait le dos rond et ne veut pas répondre, elle est très forte. À Limoges, seule l'école privée Calandrette et le collège et lycée Beaupéra proposent un enseignement bilingue, français et occitan. Et puis tout à fait autre chose dans l'actualité. Depuis quelques semaines, un service de soins immédiats non programmé a ouvert ses portes à l'hôpital Belle-Île à Metz, accessible du lundi au vendredi. Ce service est proposé par un groupe privé qui prend en charge les patients pour des consultations sans rendez-vous. Un moyen mis en place pour pallier le manque de médecins crucial et se désengorger des urgences. Les détails avec Colline Lexpert pour notre partenaire Moselle TV sur place. Dans ce bâtiment fraîchement rénové, près de 200 personnes ont déjà profité du nouveau service depuis son ouverture il y a 3 semaines, sans rendez-vous. Les patients sont pris en charge du lundi au vendredi. Donc c'est un choc direct, ouais, de la porte avec l'épaule. C'est tout public, c'est-à-dire c'est du nourrisson jusqu'à la personne très âgée. Tout ce qui relève de la médecine générale, si par exemple votre médecin traitant n'est pas là, vous êtes malade, vous pouvez venir ici. Tout ce qui relève de la petite traumatologie, vous pouvez venir ici puisque nous pouvons faire des radios. Nous pouvons faire également de la biologie, donc c'est vraiment de la médecine plutôt tout venante. Avec l'ouverture de ce service de soins immédiats non programmés, disposant de 6 salles de soins, Uneos entend répondre à un double besoin. L'idée, c'est pas de se substituer à l'offre déjà existante, mais plutôt de la compléter en offrant une possibilité aux patients qui n'ont pas la possibilité d'avoir de rendez-vous tout de suite ou qui n'ont pas de médecin traitant de pouvoir avoir une réponse à leurs besoins. Ça fait partie du but aussi de pouvoir participer au désengorgement des urgences. Composé pour l'heure d'un médecin, 2 infirmières et une secrétaire médicale, un autre docteur rejoindra ce service très prochainement. Et puis du côté des Antilles, les jeunes agriculteurs martiniquais tirent la sonnette d'alarme alors que la vie chère touche de nombreux secteurs. Ils dénoncent la hausse des coûts de production qui mettent en péril leurs exploitations. Ils réclament aussi une reconnaissance de leurs difficultés et surtout la mise en place de solutions adaptées pour leur permettre de poursuivre sereinement leur activité professionnelle. Regardez ce reportage de notre partenaire Via ATV Martinique. Comment continuer à produire des fruits, des légumes, continuer à faire de l'élevage à destination du marché local alors que les coûts de production ont explosé ces dernières années? Les jeunes agriculteurs martiniquais aimeraient obtenir des réponses. Aujourd'hui, ils sont solidaires du mouvement contre la vie chère. Nous sommes partie prenante effectivement pour cette notion de vie chère dans notre vie privée. Maintenant, ce sont des problématiques que nous avons déjà portées aussi bien au sein de l'État et de la collectivité. Donc ces notions et cette question, comme je parlais, d'intrants, de carburant, de coût du matériel, le prix de l'alimentation qui flambe. Donc ce sont des questions que l'État et la collectivité doivent prendre en compte pour nous donner satisfaction et nous permettre, nous producteurs, de produire pour la production locale. En plus de l'augmentation du prix des équipements professionnels, des aliments pour le bétail, de la cherté des intrants et des semences, le groupement des jeunes agriculteurs subit le coût croissant du carburant. Aujourd'hui, ils exigent des mesures concrètes de la part de l'État, de la CTM, mais surtout de la transparence concernant les surcoûts qui pèsent sur leur secteur. Concernant le prix des aliments et le prix des engrais, effectivement, cela a explosé en Ukraine. Donc forcément, ça a pris une certaine inflation. Mais ça n'explique pas quand même l'écart de prix que nous avons entre la métropole, l'Hexagone et nous en Martinique ici. Au François, dans l'exploitation de Wael, c'est le même cri du cœur. Ici, depuis des générations, on travaille la terre avec passion. On cultive avec le plus grand soin des produits bio et les clients sont au rendez-vous. Mais les coûts de production rendent difficile le retour sur investissement. On s'endette, on doit à des gens, et parce qu'au départ, le devis initial n'est pas finalement la facture, hein, puisque entre-temps, les prix ont grave augmenté. Aujourd'hui, je pense que tous ceux qui font de l'agriculture, au départ, ça reste la passion qui nous anime et point barre. Mais nous, pas qu'à faire pièce salaire, on ne vit pas de ça. Une réalité d'autant plus dure à supporter que, contrairement aux voisins de la Caraïbe, les producteurs martiniquais sont soumis à des normes drastiques, contraignantes. Pour autant, beaucoup souffrent d'un manque de considération et de reconnaissance de leur réalité.
Il est désormais possible pour les Corses de prendre rendez-vous dans un centre de fertilité, et ce, sans quitter l'île de beauté. L'hôpital de Bastia a inauguré le premier centre de ce genre, répondant ainsi à une demande croissante de la population. L'endroit offre des soins spécialisés pour l'accompagnement des couples dans leur projet de parentalité, allant du simple diagnostic à la prise en charge complète des troubles de la fertilité. Télépaisé a interrogé le docteur Laure Bernard, c'est une femme gynécologue du centre hospitalier de Bastia. On l'écoute. L'objectif, il est double. Le premier, c'est que c'est un projet qui est régional. Donc l'objectif, c'est vraiment de simplifier la vie de toutes les patientes qui avant pouvaient partir sur le continent, que ce soit à Nice ou à Marseille. Et l'objectif, c'est quel que soit le lieu de vie, que ce soit à Bastia, que ce soit à Ajaccio, que ce soit à Bonifacio, Porto Vecchio ou partout en Corse, que le chemin soit extrêmement simple et qu'on puisse bénéficier du plateau technique qui, lui, aura lieu sur Bastia. Et puis, avez-vous déjà trouvé des insectes dans vos assiettes? À Épinal, une entreprise spécialisée dans la production de larves d'insectes et destinée à l'alimentation humaine et animale est entrée dans une phase industrielle pour répondre à une demande croissante de ce secteur. Et l'usine marque un tournant dans l'élevage d'insectes à grande échelle avec des objectifs ambitieux de production durable et locale. Un reportage à suivre sur cette révolution verte avec notre partenaire Vosges TV là-bas. Depuis début juillet, plusieurs dizaines de tonnes ont déjà été produites. À Chavlot, à proximité d'Épinal, la start-up AntoInnov vient de s'installer pour produire des insectes. Les insectes représentent une alternative aux protéines animales actuelles, le bœuf principalement, avec une production beaucoup plus économe en ressources naturelles, en eau notamment. Les industriels de l'alimentation humaine et animale s'y intéressent de plus en plus. La filière d'insectes est jeune, elle est en train de se structurer, donc le besoin en larves vivantes, il est de plus en plus important. Et le but, c'est de pouvoir en fait combler le trou en fait qui va se créer dans les prochains mois, les prochaines années. La production non pas d'insectes mais bien de larves, c'est le cœur de l'activité de cette entreprise créée en 2021 à Nancy après 2 ans de recherche menée en collaboration avec l'Université de Lorraine. Dans cette salle, 5 à 6 millions d'individus. Ces animaux en fait vont se reproduire, vont pondre des œufs et on va récolter manuellement ces œufs pour pouvoir par la suite passer à l'étape d'engraissement. Et en parallèle, on a une autre salle qui abrite notre process qui est secret et qui nous permet effectivement de récolter d'une manière plus automatisée les œufs qui sont pondus par nos coléoptères. Des œufs qui seront ensuite déposés dans des silos comme celui-ci, un modèle réduit. Les vrais font plusieurs mètres de haut. Des silos appelés bioréacteurs qui seront installés dans des exploitations agricoles partenaires. L'idée, c'est de pouvoir en mettre une dizaine de silos, ce qui est l'équivalent de 7 heures de travail par semaine chez l'agriculteur. On est autour d'une tonne 5 par silo. L'installation de cette entreprise dans les Vosges centrales, territoire principalement rural, est donc géographiquement stratégique. Et au regard des perspectives de développement du secteur des farines d'insectes, l'entreprise voit grand. Elle envisage d'ici 2 ans de passer de 10 tonnes de larves produites par mois à 100, avec la création d'une 20aine d'emplois supplémentaires. Et puis nous sommes beaucoup à être des amis des animaux. Les chiens d'assistance sont élevés, vous allez le voir, dans un but par une association, Handichiens, pour accompagner physiquement ou moralement les personnes en situation de handicap ou dans le besoin. Ouna est l'une de ces héros du quotidien et elle s'apprête à faire sa rentrée. Regardez ce reportage de nos partenaires Puissance TV qui l'ont suivi au sein de sa famille d'accueil lors d'une séance d'entraînement à Chancenay. Ouna n'a que 15 mois, mais elle se prépare déjà à faire sa rentrée. Cette jeune Golden, accueillie par Océane alors qu'elle n'avait que quelques mois, a sa carrière toute tracée devant elle. Elle va devenir un chien d'assistance. Son rôle sera d'aider les personnes en situation de handicap, d'un point de vue technique, mais aussi moral et social. Elle fait partie des 3000 chiens placés en famille d'accueil par l'association Handichiens. Au total, Ouna va suivre 22 mois de formation, dont 16 avec Océane. En fait, nous, on est là vraiment pour faire un chien bien dans ses pattes, pour lui faire découvrir un maximum de choses dans la vie. Et ensuite de ça, elle partira 6 mois à l'école. Ils vont choisir sa spécificité, selon le caractère, selon plein de choses. Et après ça, elle sera donnée à une personne qui sera dans le besoin.
Cindy, la déléguée famille d'accueil en Haute-Marne, dirige la séance et apprend à chaque participant ce qu'on appelle des commandes. Vous marchez ici aléatoirement. Ce que je veux, c'est que les chiens ils restent concentrés sur vous, qu'ils n'aillent pas voir les autres. Mon but, on va dire, c'est de recruter des familles d'accueil et de les accompagner pendant toute la prééducation du chien. Je les fais travailler les commandes, toutes les commandes qu'on voit. Enfin, que nos handichiens doivent connaître en partant à l'école. En même temps, ça me permet moi aussi de pouvoir garder un œil sur les chiens et de pouvoir voir leur évolution. La dernière étape avant l'entrée à l'école est le test d'admission. En France, 250 chiens par an sont répartis et formés par l'association. 444 familles d'accueil participent au programme et Cindy est la seule déléguée handichien en Haute-Marne. Voilà, et puis vous avez peut-être eu le privilège de le goûter. Le meilleur macaron citron du monde est français. Il est fabriqué dans la Loire par un atelier et a récemment été récompensé par le prestigieux prix Great Taste avec une distinction de 3 étoiles. Ce macaron reconnu pour son excellence a séduit tous les experts gastronomiques. Pour notre partenaire TL7, Céline Ercilia s'est rendue à Roche-la-Molière pour rencontrer Franck Deville et découvrir les secrets de cette création. Regardez. Voici le meilleur macaron au citron du monde. À peine élu et déjà estampillé au nom du Great Taste. En avril dernier, Franck Deville a présenté sa création aux 500 membres du jury de professionnels du concours à Londres. Testé sur son apparence, sa texture et son goût, entre autres, son macaron citron a remporté la plus haute distinction, les 3 étoiles. Et cela parmi des milliers d'autres produits testés. Ça doit être du 14 000 produits environ qui étaient testés. Et seuls 2%, moins de 2% qui sont ressortis primés et qui a obtenu la meilleure note. Donc cette meilleure note, c'est 3 étoiles. Hein. Ce label d'excellence est une grande fierté, mais aussi une belle reconnaissance du savoir-faire de l'entreprise ligérienne. Franck Deville a marqué le monde gastronomique avec son macaron citron. Une saveur qu'il n'a pas choisie au hasard. Elle était même une évidence après sa rencontre avec un grand chef. Une fois, il y a M. Ducasse qui est venu à un salon au Syrah à Lyon. Est venu déguster un macaron. Et le premier macaron qu'il a voulu déguster, c'était le macaron citron. Et depuis ce jour-là, ça m'a interrogé. J'ai demandé pourquoi en fait le macaron citron, pourquoi il voulait goûter ce type-là de macaron. Et en fait, M. Ducasse m'a répondu, il m'a dit bah, pour moi, c'est plus facile de goûter quelque chose d'acide, parce que là, on va reconnaître tout de suite si on ne triche pas sur le produit. Si les concours ne sont pas un objectif pour le chef d'entreprise, Franck Deville pourrait retenter l'expérience sur de nouvelles saveurs qui mériteraient elles aussi de se retrouver sur les meilleures tables du monde. Voilà, et puis dans ce journal, nous partons en Gironde maintenant, où l'ambiance est un peu morose chez les viticulteurs. Éprouvés par une crise persistante, ils tirent une nouvelle fois la sonnette d'alarme pour ces vendanges. Cette année encore, les effets du dérèglement climatique pèsent lourdement sur leurs récoltes. Et pour les plus chanceux, qui parviennent à maintenir la tête hors de l'eau, la question d'un revenu décent reste cruciale. Un reportage d'Yvan Branchy pour TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, sur place. À 36 ans, Bastien Mercier n'avait jamais vécu ça. 2024 est déjà pour lui une année cauchemardesque. Notre vigne ne résiste plus aux champignons, ne résiste plus aux différentes maladies, ne résiste plus aux vers de grappe et on est attaqué de tous les côtés. Alors en plus de ça, vous ajoutez la crise, vous ajoutez les normes. Je déconseille de faire ce métier. À la tête de cette exploitation familiale, installée à Camiran dans l'entre-deux-mers depuis 5 générations, il tire aujourd'hui la sonnette d'alarme. En ligne de mire, des produits phytosanitaires jugés inefficaces. Je fais partie de la génération qui a envie de sauver la planète, qui a envie de laisser quelque chose à ceux qui vont nous succéder. Mais il faut arrêter le monde des bisounours, il faut arrêter l'utopie. Quand on est malade, il faut se soigner. Et donc aujourd'hui, l'inconvénient qu'il y a, c'est qu'on risque de prioriser la nature à l'être humain. Placé en redressement judiciaire, c'est un combat quotidien pour sauver son entreprise et vivre de ses bouteilles. Cette année, la production devrait atteindre les 1500 hectolitres. Une quantité satisfaisante pour un millésime jugé prometteur. Mais à quel prix ? Au prix où on voudra bien nous l'acheter. Un collègue m'a dit, pas plus tard qu'avant-hier, que un négoce chinois lui avait proposé un prix autour de 2 euros la bouteille et il a essayé de faire monter un peu le prix
Et le négoce lui a clairement répondu « Vous plaisantez, vous le vendez moins cher en France ». Face à cette avalanche de difficultés, il reste une lueur d'espoir. Le nouveau gouvernement et la nouvelle ministre de l'Agriculture, attendue de pied ferme par les syndicats. Voilà, et puis le dérèglement climatique n'impacte pas uniquement les récoltes en Gironde. À Ville-sur-Ars, en Champagne, la coopérative Chassenay d'Ars tire un premier bilan des vendanges, elle aussi, marquée par une récolte modeste en quantité. Les 1200 mm de pluie pendant la floraison, bien au-dessus des 800 mm habituels, ont considérablement affecté la production. Pourtant, bien que les rendements par hectare aient chuté à leur plus bas niveau depuis 1978, la qualité des raisins a un impact positif en arôme et pourrait d'ailleurs aboutir à des assemblages de haut niveau, voire à des millésimes. Regardez. Là, on a vraiment des notes sur la fraise, sur la framboise, sur l'épinot. Les chardos ont vraiment ce côté agrume, un peu de floral. Donc, c'est vraiment très intéressant et ça laisse présager vraiment des jolies choses et des jolis assemblages. Et puis un petit bijou d'une valeur quand même de 8 millions d'euros. Au port du chantier naval de La Ciotat, une société a présenté son tout nouveau drone naval de surface, le Drix Océan 16, c'est son nom. Un engin destiné au marché civil et militaire, optimisé pour la navigation par mauvais temps et intégré de caméras optiques et infrarouges, spécialement conçu pour approfondir la cartographie marine. Vous allez le voir, un reportage d'Alexandre Mistretta pour nos partenaires de La Provence sur place. Avec ses presque 16 mètres de long, le Drix Océan 16 est le petit, ou plutôt le grand nouveau, des drones supervisés de l'entreprise de haute technologie Excel. Développé à La Ciotat, ce bateau de surface est une amélioration de son prédécesseur, le Drix H8, qui permet notamment de cartographier les fonds marins. Avec la commercialisation de Océan 16, Excel souhaite aller encore plus loin et plus vite dans cette exploration sous-marine. Chez Excel, nous avions déjà le Drix depuis plusieurs années, son petit frère qui fait 8 mètres de long avec une autonomie d'une dizaine de jours. Aujourd'hui, le Drix Océan, la version allongée, qui est un drone qui est capable de faire des missions en mer, en surface, pendant plus de 30 jours avec une capacité transocéanique, c'est-à-dire qu'il est capable de traverser les océans, de rester 30 jours en mer pour des missions d'exploration, des missions d'hydrographie, d'océanographie, de bathymétrie, d'exploration des grands fonds. Ce nouveau bijou de technologie permet d'observer jusqu'à plus de 9000 mètres de profondeur, le tout à une vitesse conséquente puisque ce drone de surface peut parcourir plus de 3500 milles nautiques, soit plus de 6482 km. Parmi ses autres points forts, il y a la possibilité pour les équipes de pouvoir traiter en temps réel les données récoltées par le bateau grâce aux nombreuses technologies embarquées. Si pour l'instant ce drone n'est commercialisé que pour les structures civiles, il pourrait l'être à des fins militaires. En attendant, la société Excel espère que ce nouveau drone d'une valeur de 8 millions d'euros rencontre le même succès que le précédent. Le Drix H8 s'est écoulé à 30 exemplaires à travers 19 pays. Voilà, et puis on se rend à Saint-Ouen-de-Mimbré dans ce journal où la fête de la patate a célébré 6 ans de tradition locale. On en a parlé dans les titres de ce journal. Pour récolter les pommes de terre, l'association Trait d'Avenir 72 use de méthodes anciennes puisqu'elle cède de chevaux. Un moyen efficace de répondre aux enjeux environnementaux actuels. Un retour aux sources aussi qui illustre une belle harmonie entre tradition et écologie. Un voyage dans le temps avec Laure Girard pour LMTV Sarthe. Démonstration d'arrachage de patates par Iris et Mulette. Un cheval comtois et une mule qui montrent toutes deux bien du cœur à l'ouvrage. Une pratique qui demande une complicité absolue entre l'homme et l'animal. Donne ton pied, donne. Voilà, donne, l'ami. Donne, voilà. Pas bouger, c'est très bien. Voilà. Vous les demandez, fait. Voilà, c'est ça. Jean-Baptiste parle à ses bêtes avec une extrême douceur. Quand on travaille amicalement avec quelqu'un, ça va toujours mieux qu'en gueulant. Hein. Si on veut qu'il nous écoute, il ne faut pas hurler dessus. Hein. Il faut que ça soit une relation, on va dire, amicale. Gauche. Oh, gauche. Il n'y a pas si longtemps, dans nos campagnes, les chevaux de ferme étaient les alliés de travail de l'homme. Des pratiques que Jean-Baptiste et ses enfants souhaitent transmettre aux plus jeunes, convaincus que ces techniques agricoles sont en accord avec les défis environnementaux d'aujourd'hui. Oui, c'est très respectueux de la terre, donc il y a zéro tassement, il n'y a pas d'effet de gasoil, d'huile, on va dire, il n'y a aucune pollution. On va dire que c'est un métier d'hier pour répondre aux besoins de demain. Les pommes de terre, variété gourmandine, peuvent ensuite être ramassées et triées. Mais ça, il n'y a que l'homme qui peut le faire.
Ségolène Royal était notre invitée ce jeudi dans l'émission Face au territoire sur TV5 Monde. Je vous propose d'écouter l'ancienne candidate à l'élection présidentielle, ce qu'elle a déclaré au sujet de son positionnement politique aujourd'hui. C'est intéressant à écouter. Ségolène Royal, où vous situez-vous aujourd'hui, j'allais dire idéologiquement, entre cette gauche et cette droite qui ont beaucoup évolué depuis que vous étiez aux affaires? C'est une surprise pour personne si je vous dis que je suis une femme de gauche, bien évidemment. Mais j'ai toujours veillé à regarder les choses de façon objective. Et c'est pour ça que j'ai forgé le concept d'ordre juste, qui n'a pas toujours été compris chez les dirigeants de gauche, et pourtant qui reste furieusement d'actualité. C'est-à-dire que dans tous les domaines, que ce soit l'économique, le social, l'international, l'écologie également, il faut des règles juste, c'est comme ça qu'elles sont efficaces. Voilà, et puis aussi regardez ce qu'elle a dit, c'est amusant, à propos de son ancien compagnon, François Hollande, qui sera notre invité la semaine prochaine dans Face au territoire. C'est drôle, regardez. Nous retrouvons évidemment jeudi prochain à 9h30 avec quelqu'un qui ne vous est pas tout à fait inconnu, Ségolène Royal, il sera à votre place sur ce plateau, c'est François Hollande. Qu'est-ce que vous lui souhaitez? Une bonne émission. Au-delà de ça. Une bonne émission. Bon, vous parlez voilà. Très souvent. Bah oui, oui, ça nous arrive de se parler, heureusement. Je vois que vous en riez, Ségolène Royal. Oui. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment dans une prochaine édition. Au revoir à tous. Bonne journée.